tease my head is dry. I don't laugh and I don't cry. I don't think about you all the time, babe. When I do, I wonder why you have to go out of my door and leave just like you did before. I know I said that I was sure. Allez, les coachs. I can't imagine for one day, baby, we'll be old. Oh, baby, we'll be old and think of all the stories that we could have told. Little me and little you keep doing all the thing they do, they never really think it through. I can never feel true. Here I go, the kind of blame, the kind of pain, the shame, the fighting father, all the pain that's a kidney. Seconde, c'est possible. Non. Encore quelques secondes. Vas-y. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Comment tu nous as au dernier moment là comme ça? Oui, ça peut être une stratégie. C'est d'attendre une stratégie. La t'as attendu la dernière fraction de seconde. Parce que je sais que des fois, de déclencher un buzz, ça peut déclencher un autre buzz derrière. Donc tu vois, je dans la dernière fraction de seconde. Non, mais attends, t'imagines l'angoisse pour lui. T'as plus envie de te battre. Tu veux gagner maintenant. Salut mon pote. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Enzo. Salut Enzo, tu as quel âge? 17 ans. Ouais, 17 ans. C'est ouais, ça. Bah ouais. Ah oui, temps, même ça se voit. Hein. Écoute Enzo, il y a eu quelques imperfections. T'es allé sur des terrains qui étaient peut-être encore un peu trop raides pour toi. Même si je pense que si t'y allais, c'est que tu es capable de les passer. Peut-être que la pression ne t'a pas aidé à passer certaines notes. C'est certain. T'es un peu stressé. Mais en même temps, t'as un grain de voix qui est super intéressant. T'as une musicalité qui est très intéressante parce que voilà, un piano-voix, c'est jamais évident. On n'a pas une rythmique, donc c'est jamais évident de se poser au fond du temps. Mais moi, ça m'a plu. Et j'aime bien ce genre de voix, j'aime bien ton feeling et je pense qu'on peut te balader sur pas mal de registres aussi avec ça, même des trucs plus rythmés. Donc voilà, je suis content au final d'être tout seul et de pas avoir à me battre avec mes copains. Merci. En tout cas, voilà, t'as l'air d'être un bon petit mec en plus. Et maintenant qu'on le voit, c'est vrai que c'est beaucoup plus puissant encore la performance qu'il vient de faire parce que je m'attendais pas à avoir un môme de 17 ans. Donc je sentais quelqu'un de plus avancé avec beaucoup de fêlures. Et là, d'un seul coup, il n'y a pas de passé, il n'y a que du futur. Donc là, ça inverse complètement la donne. Et bien joué Matt, et bienvenue dans The Voice. Merci. Attends. Ils veulent parler encore. Ils vont te dire deux, trois trucs. Oui, excusez-moi. Faut que tu restes... Non, te dire qu'on est content. On est vachement content. Mais t'es content? Ouais, je suis hyper content. Il a eu un peu peur. Non, mais là, en fait, il a pas compris encore que je m'étais vraiment retourné à la dernière seconde. Il est entre deux eaux. Il dit c'est une blague. Il est bien blanc le truc de Matt. T'as eu peur ou pas? Très, oui. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Moi, j'ai senti ça. Alors, ça, c'est pas forcément un critère d'élimination. Tu vois ce que je veux dire, la peur? Parce qu'on peut tous l'avoir, le trac, les uns et les autres. Mais en effet, ça manquait un tout petit peu de colonne vertébrale, peut-être on peut appeler ça, tu vois, rythmiquement. Et en même temps, quand on te voit, c'est normal, t'es en pleine croissance. Donc c'est vachement bien parce que c'est des choses que tu peux apprendre et on apprend, je pense, assez vite dans ce genre d'aventure. Donc bienvenue, franchement. Merci.
Non, même style. Ouais, bah ouais, c'est bon. Tu peux souffler maintenant. Tu peux souffler, le plus dur est passé. Et maintenant, on va se mettre au travail, ok? Bon, bosse bien, retrouve-toi bien, on se voit vite. Il est top. Non, je pense qu'il y a un gros stress, mais ça correspond pas à ce qu'on peut imaginer. Donc, ça change tout. Oui, exactement. Et je sais déjà avec qui je vais le mettre. Ah ouais.